On ne connaît pas grand-chose de Christophe Delus, si ce n'est les quelques instruments portant sa signature parvenus jusqu'à nous. Ce qui est sûr, c'est qu'il révèle une maîtrise tout à fait remarquable, qu'il s'agisse de ses flûtes, de ses hautbois, bassons, galoubets, ou encore de la rarissime contrebasse de hautbois que l'on considère aujourd'hui comme la dernière survivance de la basse de Cromorne. On a même de lui une superbe flûte traversière basse. Delus s'inscrit dans la lignée de la grande tradition de la facture française de flûte, qui compte par exemple Lisieux, Hotteterr, Ripper, Nost ou encore Thomas Lott, dont il semble avoir été proche. Dans les années 1760 à 1780, la perce des flûtes s'est considérablement affinée, avec une conicité prononcée, mais inversée dans la patte. On remarque l'embouchure petite et très ovale, le capuchon arrondi et les gros bulbes d'ivoire ouvragés des précédentes générations ont laissé la place à un profil plus adouci. Ces caractéristiques se retrouveront dans les instruments du début du siècle suivant, sous les signatures de Godefroy, Buffet, Vinen ou Bélissant. Cette flûte a été réalisée d'après Delus par Pierre Etchegoyen. Avec son aigu très clair, son caractère léger et volubile, elle correspond en tout point aux attentes musicales des œuvres de l'époque révolutionnaire et du classicisme naissant. Elle est très semblable d'ailleurs à l'instrument que tient François de Vienne dans le magnifique tableau de Jacques-Louis David.